Allez, salut, salut, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospita, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi, j'essaie de me porter un peu mieux. Voilà, ça va un peu. C'est vrai qu'on est un peu coincé en ce qui concerne le temps, mais ça va. Voilà, grâce à Dieu, ça va. Voilà, donc, aujourd'hui, je suis là juste pour vous présenter une bourse qui est quoi? Qui est la bourse du Maroc. Voilà. Et en ce qui concerne la bourse du Maroc, cette bourse est concernant seulement que des étudiants africains. Voilà, donc, n'oubliez pas. Et il y a au moins 11 universités qui sont rassemblées et ont créé cette bourse. Voilà, donc cette bourse, elle est vraiment, elle n'est pas vraiment complète. Voilà, il faudrait que vous sachiez cela. Cette bourse, elle n'est pas vraiment complète. Et si elle est complète, ce sera à l'université de décider si elle est complète ou pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Et la date limite, c'est quoi? C'est le 27 juin. Donc vous devez vous armer et puis essayer de postuler. Je ne vais pas vous exiger des documents à fournir, mais vous devez avoir dans un premier temps votre passeport, voilà, votre passeport et votre diplôme. Voilà, ici la langue n'est pas vraiment très exigée. Le seul problème c'est quoi? C'est que lorsque vous allez devoir postuler, qu'est-ce que vous allez faire? Parmi les 11 universités, vous allez choisir l'université où vous voulez étudier d'abord. Donc il faudrait d'abord choisir l'université et aller sur le site de l'université, et là-bas vous allez voir les documents que l'université demande pour pouvoir postuler. Voilà, donc voilà pourquoi je ne vais pas exiger des documents ici. Voilà, puisque c'est pas moi qui doit faire les sélections, donc je ne vais pas exiger des documents. Mais ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est d'avoir votre diplôme de baccalauréat ou bien diplôme de licence ou bien diplôme de master, voilà, de façon numérique, et aussi votre passeport de façon numérique. Voilà, ainsi lorsque vous allez atteindre l'université que vous voulez, voilà, vous allez voir les documents supplémentaires que ces universités demandent. Voilà, donc en ce qui concerne ces universités, comme je vous l'ai dit, il y a au moins 11. Donc je vais un peu les citer et vous dire quelles sont les universités de préférence pour que vous puissiez au moins mettre le maximum là-bas. Voilà, donc en ce qui concerne les universités, on a pour le Maroc, on a l'université Euro-Méditerranée de Fès, on a l'université polytechnique Mohamed VI de Benguéri, on a l'université internationale d'Agadir, on a l'université internationale Abdul Qaziz des sciences de la santé de Rabat, on a l'université internationale de Casablanca, on a l'université Al-Akanin d'Ifan, on a l'université aussi privée de Fès, on a l'université privée de Marrakech, et puis on a l'université Mondiapolis de Casablanca. Voilà, donc j'ai cité ce que je pouvais citer. Donc ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Moi, si je dois vous conseiller des universités où vous devez mettre le maximum, c'est quoi? C'est l'université Euro-Méditerranée. Voilà, n'oubliez pas, l'université Euro-Méditerranée. Et puis, en ce qui concerne les universités privées, essayez d'oublier ça un peu. Même si vous allez postuler là-bas, mettez le maximum sur toutes les universités, mais vraiment un grand maximum sur l'université Euro-Méditerranée. Voilà, et aussi l'université de Rabat, l'université Mohamed VI, parce que si vous vous concentrez sur les universités privées, vous allez voir que vous concentrez sur quoi? Sur l'université Euro-Méditerranée. Ainsi, lorsqu'on fera les réductions en ce qui concerne les bourses partielles, vous allez voir que vous allez pouvoir vous en sortir avec une petite somme. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous avez bien remarqué, vous avez expliqué une anecdote, je ne sais pas, pour ma vidéo précédente. Voilà. J'avais raconté un peu l'histoire comme ça, en ce qui concerne les bourses partielles. Donc, c'est l'université qui décide. Si par exemple, lorsque vous allez postuler avec vos dossiers, ils voient que vous mettez vraiment une bourse, voilà, ils peuvent vous dire, ok, au lieu d'une bourse partielle, nous on pourra vous donner une bourse totale pour que vous étudiez plus normalement, parce que vous avez un bon dossier, vous comprenez? Voilà, donc les histoires de bourse partielle et puis bourse totale, c'est selon ce que vous voulez, et puis selon la lettre de motivation que vous allez écrire, et puis selon aussi les documents que vous avez. Voilà, donc n'oubliez pas, essayez de postuler, et aussi ne vous fiez pas aux universités, postulez à toutes ces universités que vous voulez, mais seulement mettez vraiment de l'importance sur l'université Euro-Méditerranée, voilà, pour que ça puisse vous arranger. Donc, pour vous montrer comment ça se passe, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais choisir une université et je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir les contacter et pour pouvoir postuler à leur bourse. Voilà, donc c'était un peu ça. N'oubliez pas, abonnez-vous et puis voilà, essayez de partager mes vidéos aussi. Et on y va les gars. Et il y a...
Allez, donc les gars, voilà, c'est le site qui est là. Voilà, c'est le site qui a été conçu pour la bourse avec les 11 universités. Donc, comme je vous avais dit, vous pouvez postuler dans toutes les universités que vous voulez. Mais les dossiers vont dépendre des universités. Voilà, lorsque vous allez intégrer une université, vous allez voir quels sont les dossiers que veut vraiment cette université pour pouvoir les envoyer et pouvoir postuler. Mais mettez beaucoup l'accent sur l'université de l'université Euro-Méditerranée, voilà, parce que là-bas, il y a plus de sélection. Donc ici, si vous remarquez bien, vous voyez ici, vous venez dans un instant que je vous montre, il y a ce site, c'est conçu pour le bachelor, je vais dire la licence, le master et le doctorat. Voilà, donc c'est à vous de voir. Donc vous venez dans université, vous allez voir les universités qui sont vraiment concernées. Voilà, et aussi s'il y a d'autres universités, vous allez les voir. Donc comment vous allez faire? Lorsque vous venez là, vous voyez ici l'université Mohamed V de Rabat, et vous pouvez voir aussi les autres universités, l'université Hassan II, l'université Ben Fay, l'université Kadi Hayat Marrakech, l'université aussi Mohamed Ier. Voilà, donc moi j'aimerais que vous mettez l'accent sur l'université Mohamed Ier et l'université aussi de la Méditerranée, vous comprenez. Voilà, ça c'est la première page. Après vous venez là aussi, vous pouvez cliquer là pour aller sur la deuxième page. Ça c'est la première page, la deuxième page. Donc l'université Hassan Ier et ici l'université Sultan Moulin Silam. Et puis voilà, c'est tout. Donc ici, si par exemple vous voulez choisir une université, voilà, si vous voulez choisir une université, par exemple, moi je vous donne par exemple l'université qui est, voyons voir, on va essayer de choisir l'université Mohamed V par exemple de Rabat. Voilà, et cette université, vous cliquez sur l'université Mohamed V de Rabat, vous cliquez dessus ici, voilà, ça va s'ouvrir et vous allez obtenir ça. Voilà, donc voilà, voici ce que vous obtenez. Et une fois que vous êtes là, par exemple, vous voyez le lien qui est là, c'est le site de l'université. Vous pouvez le faire directement sur Google ou bien vous pouvez prendre ce site. Maintenant, si vous voulez avoir les documents, par exemple, il y a deux manières. Si vous voulez avoir directement quels sont les documents que vous devez fournir, vous pouvez prendre ce numéro par exemple et vous les appelez, ou bien vous les écrivez sur leur adresse, ce qui n'est pas trop, voilà, ça va prendre un peu de temps. Donc soit vous les appeler, ou bien maintenant ce que tout le monde fait, c'est quoi, c'est d'aller sur le site, voilà, et voir si la bourse est disponible là-bas directement. Et voici le site qui est là. Donc vous copiez le site ici, vous copiez et vous ouvrez une nouvelle page, par exemple une nouvelle page, et vous collez là, vous collez ce que vous avez copié là. Voilà, lorsque vous collez, vous prenez, voilà, eux-mêmes ont signifié université, voilà, et vous allez obtenir un résultat. Dans les nombres, vous devez obtenir un résultat qui va sur le site de l'université. Donc on attend un peu pour voir. Voilà, c'est l'université qui s'affiche, je crois. C'est le site de l'université qui est là. Donc vous allez sur ce site et puis vous voyez si la bourse est disponible, avec quelles sont les conditions aussi favorables pour cette bourse. Et puis vous voyez le module d'application, comment est-ce qu'il faut postuler pour eux. Voilà, c'est le site qui est là, comment est-ce qu'il faut postuler. Et puis voilà, vous faites ainsi pour toutes les universités que vous voulez. Vous allez voir que cela pourra vous arranger. Donc ici directement, voilà, donc après aussi vous pouvez, par exemple, comme je vous l'ai dit, vous devez choisir une université, votre université que vous voulez. Vous allez sur le site de l'université comme je vous ai montré, voilà, et vous allez dans les contacts ici, par exemple, voilà, ici par exemple, et vous allez voir ici les contacts, comme je vous avais déjà dit, soit vous les appelez ou bien voilà. Et voici ce mail là, vous pouvez envoyer vous pouvez envoyer, comment on appelle ça,
un mail à cette adresse, voilà, du genre, bon, en objet, vous pouvez mettre candidature, bourse des étudiants africains, voilà, les étudiants africains, voilà, et vous mettez, vous écrivez quelque chose du genre, j'aimerais par exemple participer à la bourse de à la bourse que vous avez transmise, voilà, donc j'aimerais avoir les documents à fournir et puis comment postuler, et c'est tout. Ils vont vous envoyer tous les documents, ils vont vous dire comment faire parce que ça concerne eux, leur université, voilà, donc c'est un peu ça. Je vous ai montré tout à l'heure comment est-ce que vous devez faire, puisqu'il y a plusieurs universités, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas vous donner une procédure parce que chaque université est très indépendante. Voilà, donc vous allez sur la page comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, sur le site de l'université, vous copiez d'abord le grand site, vous copiez le site de l'université, vous collez dans la barre de recherche et vous recherchez cette université. Et lorsque vous allez trouver l'université, vous allez vous chercher dans contact le mail de l'université et vous leur envoyez un message disant que vous voulez participer à quoi, à la bourse du Maroc, voilà. Et cette bourse aussi, ça c'est en ligne, mais il y a aussi des pays par exemple comme ça qui ont reçu directement des offres du Maroc, voilà. Et là bas aussi, si ces pays ont reçu des offres directement du Maroc, vous allez forcément savoir dans votre pays, voilà, parce qu'ils vont essayer de divulguer ça dans des universités pour que vous puissiez aussi postuler, voilà. Donc c'était un peu ça, vous leur envoyez un message disant que vous voulez postuler et ils vont vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Alors c'était un peu ça, je voulais juste vous rappeler cela. Et c'est toujours bon de Sam Hospital. Vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. N'oubliez pas, les bourses peuvent être passées là, comme total. Voilà, n'oubliez pas ça aussi. Et voilà, je vais mettre comme ça en dernière position la vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire mon clip sur ma chaîne YouTube. Et puis essayez aussi de vous abonner sur ma chaîne personnelle. Voilà, je vais mettre le lien et puis essayez de me dire ce que vous en pensez. Voilà, s'il y a des choses à faire encore, vous me dites et puis voilà, on va essayer de régler ça. Je vais essayer aussi de me perfectionner. Donc merci. Big Boss Didis. Moi je voulais dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Sans vous, je ne pouvais rien. Oh, oh, oh. Ça a été vraiment compliqué. Mais grâce à Dieu, je me suis en sorti. Je suis très reconnaissant. Ben ouais. Yeah, maman, Dachi Mohana, c'est ma zouzoua. Dachi Mohana, c'est ma ouyo. Dachi Mohana, c'est mingolio. Na, c'est ma maha. Mama dachi mohana se ma zuzwa, dachi mohana se ma uyo, dachi mohana se mingolio na se mama. Ah, mama njoke koti mingalila, masuna mbaya na mbaya. Njoke koti mo mingali mise masuku na se mbaya. Et puis ce que tu avais dit là, je t'assure la voilà et la voilà. Elle est belle, elle est douce, elle est fraîche, tu avais dit ça. Mon fils Jagedol fils, Spasiba, oh oh, Tania, Spasiba, Anastasia, Mama, Spasiba, I say Spasiba, Nade Kanete Mia Wombo, Spasiba, yeah, I say Spasiba, Ale Spasiba, Balsha, Spasiba, I say Spasiba, yeah. Tellement si je dis sincèrement, je sais même pas. Pas quoi et où et comment je peux bien commencer. Elle est tellement si gentille, sincèrement, je sais même pas. Pas quoi et où et comment je peux bien commencer. Oh, oh maman, elle a tenu ma main et m'a dit: la vie ne nous fera jamais de cadeau. J'ai senti la sincérité et l'honnêteté, voilà pourquoi je l'ai choisi. Elle a tenu ma main, m'a dit: la vie ne nous fera pas de cadeau. J'ai senti la sincérité et l'honnêteté, voilà pourquoi je l'ai choisi. T'en fais pas ce que tu avais dit là, Masuna Mbaya, Na Mbaya.
Ejo ke koti mo mekale mi se maso kunase na zembaya. Et puis ce que tu avais dit là, je t'en suis la voilà et la voilà. Elle est belle, elle est douce, elle est fraîche, t'avais dit ça. Mon fils, Jack et Dolphis. Spasiba. Oh oh, Tania, Spasiba. Asilia, maman. Spasiba. Aïe, Spasiba. La te canette, mi et wombo. Spasiba. Yeah, Aïe, Spasiba. Allez, Spasiba, Baljo. Spasiba. Spasiba. Elle a assuré, oh maman. Pita. Congo 3 gigaï. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Tchuss.